croise ou pas? Pourquoi elle est plus haut quand j'arrive déjà pas à cette hauteur? C'est pas des logiques. La conscience qui monte, j'ai un peu peur de me faire mal. Yo les amis, c'est Thomas de Riding Zone, c'est la première fois que vous me voyez sur la chaîne YouTube. C'est Alaya Group qui nous a contacté, qui nous a dit les gars, venez, vous savez que chez nous vous pouvez et surfer, et skier, et skater dans la même journée. Alors nous, sur le papier, on s'est déjà dit que c'était plutôt une bonne histoire. Et après ils nous ont dit, et en plus il y a quelques petits riders qui viennent, du style Aurélien Giraud, Vincent Milou, Kylian Guérin. Alors nous évidemment on était obligé d'y aller, donc la petite session skate derrière moi, on va aller voir ça de plus près. Il a neigé de fou quelques jours avant, ils ont déblayé pour se mettre une petite session. Vincent Milou qui est déjà en train d'envoyer un peu de lourd. Du coup après la petite session dehors là avec la neige et tout, c'était incroyable. On va découvrir le skatepark intérieur. Venez avec moi les gars, c'est parti. Il y a le fondateur d'Alaya qui est juste là, on va essayer d'aller le voir. Salut Adam. Comment tu vas? Thomas, super. Du coup Adam, où est-ce qu'on est ici? C'est quoi la particularité des lieux? On est à Grand Montana au Alaya Chalet, donc c'est un skatepark indoor. Je pense qu'on est un des plus hauts skateparks indoor, on est dans la montagne. Et après, il y a d'autres infrastructures aussi, comme Alaya Bay. Ouais, on a toute une destination qu'on a voulu créer ici en Suisse. On a une vague de surf artificielle, Wave Garden, qui est à Alaya Bay. C'est un peu le rêve que j'ai toujours eu de pouvoir surfer, skater et skier la même journée. De pouvoir faire ça maintenant aujourd'hui, c'est un rêve. Ok, à l'aise. Bah, je crois qu'il y a Kylian qui va skater là, donc on va aller le voir, on va aller checker un petit peu ce qu'il fait. Cool. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis pas dans mon élément, je suis un peu perdu là, ça y est quoi. Je faisais du skate un peu petit, j'ai arrêté parce que je m'étais blessé. Et là, j'essaie de reprendre. Moi, je te propose un truc. On a une coach Madeleine, championne de France de bol 2021. T'es prête à faire un coach de Kylian ou quoi? Ah bah ouais. Je vais essayer de l'apprendre quoi un peu là? 3-6. 3-6? Ah, la pression, attends, c'est faux, je vais être meilleur qu'elle là, il est triste dans l'air, dans le surf et tout. Nope. Tu penses là que c'est mal parti, Madeleine? Malheureusement, oui. Bon. Il te manquait de la rotation, t'as pas tourné tes épaules, t'as pas ouvert ton regard. Là, ce qu'on peut faire, c'est reprendre à zéro les bases, quoi, là, parce que c'est ça qu'il faut faire, ouais. Madeleine. Là, ça m'envoie direct sur les 3-6, tu sais. Tu vas essayer de tweaker. Ah, ouais. Déjà à graber, non? Non, non, direct. Là. Elle le sait pas, mais faut qu'il fasse ça. Au lieu de te baisser et d'aller l'attraper, fais juste ça et la board, elle va venir direct. Ah, ça, c'est des vrais conseils. Tourne, je sais pas encore. Tais-toi et vas-y. C'est un vrai coach, non? C'est un vrai professeur, je crois. Quand t'es coaché par les meilleurs, tu dois être bon. Hein. Coach Milou, il a rétrogradé coach Madeleine. De toute façon, je le suis depuis que je suis toute petite, il m'a donné des cours, je lui fais confiance. J'ai une autre idée. Tu vas me descendre cette courbe. Non, non, mais d'abord, et après celle-là. Pourquoi elle est plus haut quand j'arrive déjà pas à cette hauteur? Regarde d'abord. Monte, monte. C'est pas la question de que c'est beaucoup plus haut, c'est juste la vitesse que je vais générer. C'est un peu raide quand même. Et reste bien sur tes appuis, reste attends, pas accroché. Attends, hein. Je fais quoi une fois que j'arrive en haut? Tu sautes. Et j'y croyais pas. J'avais clamsé là quand j'ai atterri là. Et en vrai, j'ai fait là presque la méga. Je suis fière de toi, tu sais. Il a bien travaillé. T'es un peu une tête à claque, on a envie de t'en mettre une des fois. Bon, allez, on est quand même fiers de Kylian, il a quand même envoyé ouais. Madeleine, coach en or. Puis là, on va continuer la journée, on va aller faire du snow, ça va être énorme. Allez, c'est parti. Les amis, on est là, on est juste devant une petite rampe qui a été shapée cette nuit. Il y a un petit groupe sympa de skaters avec Vincent Milou notamment qui envoie un petit peu. On a Victor Davy aussi, snowboarder pro qui est très très chaud. Ah, contre ça comme un os grind. Du snow, quand j'étais petit, c'était avec mes parents et puis après le surf et le skate on sont pris au-dessus. Ça fait genre 3 ans que j'en ai pas fait là. T'as quand même des plutôt bons restes quoi. C'est dur, faut que ça revienne. Quand j'étais petit, je prenais les rails et tout, j'avais pas peur, mais maintenant tu vois aussi j'ai la conscience qui monte, j'ai un peu peur de me faire mal. Ouais. Ah,
compétition royale entre potes en mode skateboard mais à la neige avec les pro skateurs. C'est intéressant de savoir comment ils s'en sortent sur de la neige. Et honnêtement, ils sont bons. Hein. Dernière question, Aurélien Giraud, tu vas nous faire du snow un peu. Alors ouais, Aurélien, c'est clairement le skateboarder, snowboarder le plus talentueux. Il a l'habitude de se jeter sur du béton, donc sur de la neige, il est facile. Il a pas peur. Ok, bon, on va essayer de le choper. Ça va bien réussi à avoir Giraud. Il arrive, Giraud, là. Yorel, toi ? Ça va, tranquille, et toi ? Non, t'as cherché, mais tu vas très très vite. Hein, et on a demandé à tous, là, ils sont tous unanimes, tu t'envoies quand même. Ça va, ça va. Pendant mon enfance, j'ai pas mal ridé. J'allais souvent au ski avec des potes et tout. Je suis pas à un niveau incroyable, hein, mais je vais faire deux, trois petits tricks. C'est quoi un peu les similitudes avec le skate ? Le placement des pieds, déjà, c'est quasiment pareil. Juste là, les pieds ils bougent pas. Au niveau des graines, c'est pas pareil. Parce que les trucks, ils peuvent pas se caler et tout. Mais on est plus ou moins sur le même système. Donc, encore un peu des repères de skater, ouais. À l'aise. Et là, t'as prévu quoi un petit peu ? Bah, là, ouais, on va rider les rails, la boxe et on va essayer de faire des petits tricks. Allez, on va te suivre et on va voir ça. Ça roule, ouais, c'est que ça fait plaisir. Cool. Bah, pas derrière moi, je te dis. À l'aise. C'était chaud là quand même. T'es un peu déséquilibré, ouais, quoi. Un peu. Ça va, on a plaqué, 8 vis. C'est pas des logis. Ça va ? À l'aise ! C'est la même vie. C'est pas des logis. Royal, hein ? Que nous réserve l'avenir ? Je n'en dirai pas plus. Matinée incroyable, hein. Grand beau, tous les copains, il y a eu du gros trick, que demande le peuple. Du coup les amis, session de ouf, là on vient de finir, j'ai essayé de coller la trace Aurélien Giraud, c'était un peu chaud. Le mec va très vite encore une fois, et là on va partir surfer pour la suite du programme. Allez c'est parti. Du coup les amis, on a mis la doudoune, le bonnet, on est passé dans la vallée, énorme nuage, il fait super froid. Dernière activité de la journée, la plus insolite. À l'Aïa B, une vague artificielle, donc c'est parti, on va surfer. Puis on va essayer d'aller choper Vincent Milou, on l'a vu un peu toute la journée. Le mec est chaud en snow, le mec est chaud en skate. Et là, on va voir ce qu'il donne en surf. Ah ouais, aïe, 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 aïe. Là, c'est quelque chose, les amis. Hein. Ça te met des pompes ou pas? Il y a des petites dingues de partout, des petits trous. Ah ouais. Parce qu'il y a des moments où tu surfes, là c'est... Ah, bah, tu vois, tu... Ah ouais, clairement, ouais. Pas brûlé, là. Allez, froide ou pas? Voilà les amis, les vagues elles sont lancées. On a retrouvé Vincent Milou. On va aller se changer et poser 2-3 questions avant de se mettre à l'eau. Elle a combien l'eau, là? Bien chaud. Réfléchis pas trop. Merci beaucoup, c'est gentil. Vincent, il y a plein de gens qui savent pas que tu surfes, comment ça se fait que tu surfes pas mal quoi? Bah j'ai grandi pas loin de Haut-Segor, dans les Landes. Mon père surfait un peu, il nous amenait pas mal à la plage après les cours et j'ai commencé à surfer à ce moment-là. Et après j'ai arrêté un peu de surfer, j'avais peur des vagues et je m'y suis remis quand j'ai eu une mobylette, du coup je pouvais aller à la plage tout seul sans faire chier mes parents. Donc je pouvais vraiment aller surfer quand les vagues étaient bien quoi. Et quel style de surf tu dirais que t'as toi? Moi? Ouais. Le style d'un skater. Non, mais là, je sais pas si on aura aujourd'hui, mais j'aime bien quand c'est vraiment creux, qu'il y a des barrels. On va voir ça, on va voir ce que Vincent vaut en surf. Jamais surfer avec des gants. Mais là, tu vas voir, ils vont mettre des gants. Ouais, encore faire quoi. Je t'aide. Vas-y, pousse, à fond. Elle pousse plus fort que moi, elle est... Et la température de l'eau, vous la connaissez ou pas? 0,6. Voilà, c'est plus on chaud a l'info, les gars. C'est plus chaud qu'avant-hier, regarde, t'es 0,5. Attends. Très motivé, là. J'ai une tête de con, là. C'est parti les amis. On va faire des droites un peu.
Parce que la board elle est fun, mais je pense que c'est mieux en frontside avec. On va avoir une vague, Tom. Comment est pas une vague là, non? T'as un poker? Ah les gars, c'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud. 0,5 degrés, on les sent. Mais en vrai, ça va. Vu un 100 000 loups, il est en voie, il est facile. On sort mine? Ouais. Je mets mes backside et toi frontside. Quand t'es à l'océan, t'as le temps d'attendre au pic, d'être assis et de rien faire. Là, c'est que t'as tout le temps envie de prendre toutes les vagues parce qu'elles sont trop bien, elles sont toutes parfaites. Donc du coup, tu rames, tu repars, tu prends une vague, tu rames, tu repars, tu reprends une vague. Ah mon gars, c'est fatigant. Il a un très bon bottom, un très bon bottom turn. Et puis il envoie des bons rollers aussi. Et à chaque fois, son pêcher mignon, il veut tout le temps se caler une petite casquette. Je sais pas comment il fait Vincent, mais le mec arrive à ramer, à reprendre toutes les vagues. Moi j'étais mort. C'est monstrueux mon gars. Là t'aurais pu rester la nuit. Ouais, s'ils avaient mis les barrages, je serais resté plus longtemps. Mais les terres et tout, c'était fun. Hein. C'est vraiment fun. Merci mon gars, c'était énorme. Allez, une bonne douche chaude et après on se retrouve pour l'outro. Les amis, la nuit qui tombe, fin de cette journée épique, c'était incroyable. Skate, snow et surf dans la même journée en Suisse, c'est fait, c'est plié. Avec un décor de malade, des guests de malade. J'espère que vous avez kiffé, abonnez-vous, likez, n'oubliez pas. Puis on se retrouve très bientôt sur les antennes de Riding Zone, c'était Thomas, à bientôt.